Alors il s'avère que Amanda est irritée entre les cuisses. À ce niveau-là, là. Là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On peut pas le dire dans le vlog, ça? Moi, je m'en fous, moi. Attends, pas de problème, hein, pas de problème. Et nous voici à bord du Poudlard Express et je vais profiter de ce petit voyage pour vous donner des informations sur les prix des parcs. Sur le site internet d'Universal, vous trouverez plusieurs offres de prix en fonction de vos désiderata. On commence avec le combo un jour, un parc à 109$ par adulte et 104$ par enfant. À ceci, bien sûr, vous rajoutez les taxes. Si vous voulez faire les deux parcs sur la même journée, c'est 164$ par adulte et 159$ par enfant. Après, n'oublions pas les combos et promos, comme ici 4 jours de parc avec en plus Volcano Bay à 337,99$ par adulte et 327,99$ par enfant. Évidemment, plus vous prendrez de jours de parc, moins le ticket par jour vous reviendra cher. Bon, alors vous pensez bien, il existe des solutions pour payer moins cher et nous, on vous conseille vivement de consulter le site attractiondirect.com qui vous offre des combos inégalables. Un exemple ici, sur le site irlandais, 14 jours pour 375$ par adulte et 365$ par enfant. Donc on a traversé, ici on est après au large et derrière moi, là-bas, le château de Poudlard. Alors, on va manger, on a faim, on va au restaurant des Trois Balais. On a déjà été, c'est terrible, c'est super bon. Allez, let's go! Et voici le menu. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça que je veux. Et voilà, aux Trois Balais, avec la petite bibiche. Avec Anaëlle et son sourire légendaire, avec Maïline qui est dans son monde, avec Liana qui est très contente d'être là, avec maman qui est rouge, rouge pivoine, et la nourriture. Allez, c'est parti. Comme vous avez vu, les assiettes sont plutôt bien garnies, et par exemple le plat d'Amanda tourne autour des 16$. Et évidemment, n'oubliez pas les boissons et les taxes. Allez, santé la Krabi Family. Donc ici, on fait l'attraction dans le château. On est passé devant le château. Généralement, il faut attendre 45 minutes, 1 heure. Ici, un petit quart d'heure. Donc, on se cale ça entre deux. Vite fait, bien fait, juste après avoir mangé. Bon, c'est pas une attraction forte, donc ça va. Mais par contre, c'est étonnant. Un quart d'heure d'attente, c'est très peu. Moi, je me souviens, on a attendu 2 heures en 2012, quand je suis venu avec Amanda pour notre voyage de noces. Mais voilà, ici, avec toutes les attractions qu'il y a, notamment avec... l'attraction d'Hagrid, c'est sûr que maintenant il y a un petit peu moins de monde ici, mais de là à un quart d'heure, c'est la première fois quoi.
Donc c'est génial, c'est top. Donc c'est l'attraction dans le château, c'est un voyage en balai. C'est terrible. C'est en 3D, c'est top. Bon, malheureusement, ce sera impossible de filmer parce que je serai dans les airs et j'ai peur de perdre mon téléphone. Alors il s'avère que Amanda est irritée entre les cuisses. À ce niveau-là, là. Oh, qu'est-ce qu'il y a? On peut pas le dire dans un vlog, ça? Moi, je m'en fous, moi. Attends, pas de problème, hein, pas de problème. Au moins, t'avertis ceux qui ont des grosses cuisses comme moi. Qui ont beaucoup marché, il fait chaud. C'est de prendre de la crème. La crème ou un petit cycliste. Et moi, je m'en ai un petit Remco. Les petites cuisses, elles ont mal. Vas-y, marche comme tu devrais marcher pour pas avoir mal. Oh, regardez ça. Enfin. Ouais, attendu 2 heures. Mais si c'est ce que je dis, c'est le fait qu'il y ait peut-être l'attraction de la grille, etc. Il y a un petit peu moins de hype par rapport à cette attraction. Voilà, l'attraction. La plus ancienne. Hein. Mais par contre, un quart d'heure, c'est très peu. Hein. Donc on a quand même calé deux attractions Harry Potter, c'est déjà très bien. Franchement. Voici le nom de dirigeant. Attention, on va voir papa avancer. Dans 3, 2, 1, go! Vous avez vu papa avancer, le nom de Harry Potter. 1, 2, 3, go! Salut les amis! Maintenant, on va avancer parce qu'on va faire les attractions pour Liana. Okay. Et papa, il a déjà fait parce qu'on l'a revu dans la première vidéo. La vérité, c'était une des attractions les plus trash que j'ai jamais faites dans toute ma vie. Et je me demande si c'est même pas la plus trash. C'est un truc de fou, un truc de malade. Ça commence par un boost, donc là bah, tout va bien, quelques loopings machin, mais au milieu de l'attraction, il y a un second boost qui accélère encore. Je sais pas à quelle vitesse on grimpe dans cette attraction, mais c'est un truc de taré. Pourtant je suis lourd, hein, je pèse 90 kg, je suis assez grand. Pendant la quasi-totalité de l'attraction, mes fesses ne touchaient même pas le siège, quoi. C'est un truc de malade. Franchement. C'est un truc de fou. Et franchement, j'adore les attractions fortes, il n'y a pas de souci. Mais là, je me suis vraiment chié dessus. Vraiment. Elle est vraiment trash. Vraiment. Vous avez les fesses qui ne touchent même plus le siège, que vous êtes limite à croire que vous allez être éjecté à tout moment. C'est horrible. Allez, la zone des petits, pour faire 2-3 trucs pour les petits maintenant, pour les petites. On va se retaper un peu parce que là, je suis mort. J'ai cru mourir. Voilà. C'est horrible. 10 minutes. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va avoir Figment ici? Voilà, là on va faire un truc un peu plus de mon ressort.
Ouais. Ouais. Trop calme. Voilà. Ça, c'est mieux. Ça, c'est nettement mieux. Allez, on enchaîne avec Cat in the Hat. Pas de file d'attente, ça c'est magnifique. Voilà, on est sorti de Cat in the Hat. C'est l'attraction qui a au moins 70 ans. Bah bon, les enfants aiment bien, donc voilà quoi. Quoi ça? Et comment ça décorer pour Noël? Alors c'est dingue hein, parce qu'il y a 30 degrés et on voit des boules de Noël, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade ici. Is a carousel cell that's truly outstanding. And I see the trees, the Truffula trees, the bright colored tops of the Truffula trees, mile after mile in the fresh blowing breeze. One fish, two fish, red fish, blue fish. From there to here, from here to there, fantabulous things are everywhere. And just look at that, that red and white hat. I'm sure it belongs to that black and white cat. And look out below! It's that new Magoo Zoo! Oh, what the zoo must be worth! It's the most wonderful zoo on the face of the earth! Say, I like green eggs and ham! I do! I like them, Sam I Am! And I will eat them here and there! Say, I will eat them anywhere! Now we bypass two unbudging Zaks, both stubbornly stuck, unbudged in their tracks. Now keep your eyes peeled for sneeches. They are known to love beaches. There's one down there, fishing. He's floating, he's wishing. He might catch a fish with a pinwheel-like tail. He might catch a fish who has fins like a sail. He might catch a fish with a checkerboard belly, or even a fish made of strawberry jelly. Say, that makes a story that no one can believe. Et voilà. On finit le petit train. Et je pense que c'était la dernière attraction de la journée parce qu'on aimerait encore aller au Walmart et manger au Golden Corral, donc faut pas être trop tard. Je pense qu'il est presque 19h à la fête. Du coup, je vous laisse et on se revoit pour la prochaine vidéo. Hey, c'est Krabby, abonne-toi!